En Syrie, les forces gouvernementales disent être sur le point de lancer un assaut pour reconquérir la ville de Palmyre. Cette cité antique est aux mains du groupe État islamique depuis bientôt un an. Ces derniers jours, l'armée du régime, appuyée par l'aviation russe, a pris position autour de la ville, bloquant ainsi les routes d'approvisionnement utilisées par l'organisation État islamique. Située dans l'est de la Syrie, Palmyre est surnommée la perle du désert. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses richesses archéologiques. En s'emparant de la ville en mai 2015, les djihadistes ont procédé à plusieurs destructions, suscitant une vive indignation. Sur le plan diplomatique, on retiendra la visite à Moscou effectuée ce jeudi par le secrétaire d'État américain. John Kerry devait s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine et avec le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Un entretien centré sur la transition politique en Syrie. Américains et Russes divergent notamment sur le sort à réserver au président syrien Bachar al-Assad.